Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition. Coopération Tchad-Soudan, la création au Tchad d'une université privée soudanaise, au centre d'une rencontre qui a eu lieu ce matin entre le ministre de l'Enseignement supérieur, Zakaria Fodol-Kitir, et le recteur de l'université du Soudan, El Shazal Eissa Hamad. D'autres points de coopération étaient aussi au menu des échanges. Apolline Gani. Les relations dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle entre le Tchad et le Soudan sont au beau fixe et se renforcent davantage. Ces deux États qui partagent les mêmes ambitions œuvrent pour la bonne formation des étudiants dans la médecine, la science, la technique, l'architecture et l'informatique ne cessent de se concerter. La visite du recteur de l'Université du Soudan, El Shazal Eissa Hamad, au ministre de l'Enseignement supérieur, Zakaria Fodol-Kitir, s'inscrit dans le cadre de la création d'une université privée au Tchad. Cette université va former les étudiants dans la langue arabe. C'est le programme du Soudan qui sera suivi dans cette université. Zakaria Fodol-Kitir et son hôte, El Shazal Eissa Hamad, ont fait le tour d'horizon de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de l'accord cadre de principe entre ces deux pays dans le domaine de l'éducation. Avant de quitter le ministère de l'enseignement supérieur, le recteur de l'Université du Soudan a vivement félicité le ministre pour sa nomination à la tête de ce département et a salué le rôle joué par les enseignants tchadiens dans la formation des étudiants au Tchad. Dans le cadre du projet d'appui à la mise en œuvre de l'indice harmonisé des prix à la consommation finale des ménages de la zone CEMAC, des agents de collecte des prix sont formés. Ce matin, à N'Djamena, une cérémonie a marqué le début de cette formation. Une initiative de l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques avec l'appui de l'Union européenne. Kalia Ngavutna. Ils sont sélectionnés sur toute l'étendue du territoire national par le projet d'appui à la mise en œuvre de l'indice harmonisé des prix à la consommation finale des ménages de la zone CEMAC pour enquêter sur les prix des produits alimentaires dans toutes les villes du pays. Pour élever ces défis sous-régionales, l'IHPC CEMAC forme ses agents de collecte sur les différentes techniques devant les aider à bien remplir leur mission. Il s'agit de les doter des connaissances nécessaires pour leur permettre de déterminer l'inflation généralisée et continue des biens et services. L'importance de l'étape que nous abordons dans le cadre de présentes assises nous donne l'occasion de doter notre pays et la sous-région CEMAC d'un indicateur économique permettant de comparer les degrés de développement économique, les niveaux de productivité et les niveaux de prix entre les différents pays de la zone CEMAC. De mettre en place un instrument central de surveillance multilatérale indispensable pour la conduite de la politique monétaire de la sous-région, d'approfondir la compréhension et promouvoir l'implication des principaux acteurs régionaux dans le processus de mise en œuvre du programme statistique de la sous-région. Après cette formation, ces agents feront des descentes dans les différents grands marchés du pays pour recueillir les informations relatives au prix des denrées alimentaires pour faciliter la mise en œuvre de ce projet. La cour d'appel de Mongo a un nouveau président. Il s'agit de Ndoumbaï Namia. Les temps forts de la cérémonie de prise de fonction, un reportage signé Napoléon Ngaoundi. À l'entame de l'audience solennelle, Maître Djingam Asra Dengon, greffier à la cour, a pris aussitôt la parole pour situer le contexte. Après lecture de l'acte du chef de l'État, Idriss Déby Itno, en date du 30 avril 2018, portant nomination des magistrats dans les différentes juridictions, il a situé que Ndoumbaï Namia Fulgent prend désormais la reine de la cour d'appel de Mongo. Il remplace à ce poste Baine Ndouba Yokumam qui a passé 5 mois à la tête de cette juridiction. Par rapport avec les autres, j'ai eu à offenser, j'ai eu à dire des choses qui ne plaisent pas. Mais c'est l'occasion de demander aussi pardon. Le pardon, c'est ce qui fait la force de l'homme. Dans ses réquisitions, le procureur général de la ville de Mongo, Hassan Yacoub, a reconnu les mérites de ce serviteur de droit. Cependant, il a déploré les conditions dans lesquelles cette juridiction fonctionne. Le récipiendaire, conscient de la lourde tâche qui l'attend, a exprimé sa satisfaction à la hiérarchie. Mes impressions sont les impressions de joie. Après être renvoyé à l'exercice de ses fonctions, il sera dressé un procès verbal qui sera laissé au rang des minutes du greffe de la cour.
Quelle évaluation faire des réalisations du projet de réhabilitation et de restauration des écosystèmes du lac? La mission ministère de l'Environnement, ambassade de France au Tchad et programme des Nations Unies juge satisfaisant, même s'il y a quelques insuffisances. Angaltoklok. Lancé il y a de cela 8 mois dans la région du lac, le projet de réhabilitation et de restauration des écosystèmes du lac Tchad affiche des résultats positifs. Grâce à l'appui technique et financier des partenaires, à savoir la France et le PNUD, plusieurs plans ont été mis en terre, et cela suite à une formation accrue du personnel en technique de reboisement. Pour ce vaste programme, c'est la population qui s'est investie. Outre le reboisement, un accent particulier est mis sur les activités génératrices de revenus. Nous travaillons à travers des acteurs locaux. Ce sont les jeunes, les femmes, les jeunes filles de cette région qui s'y mettent pour faire de ce projet un succès. L'expérience acquise lors de cette première phase sera traduite sur d'autres sites à plus grande échelle. L'idée est que notre gouvernement a ce que ce projet-là soit renouvelé et que c'est-à-dire l'espace à reboiser, parce qu'il y a beaucoup de zones déjà dégradées, donc on peut aller encore un peu plus. Comme toute œuvre humaine, le projet de réhabilitation et de restauration des écosystèmes du lac Tchad rencontre quelques obstacles. Ces difficultés sont liées à l'insécurité et au transport du personnel. Toutefois, ces difficultés bénéficient déjà des solutions concertées avec le gouvernement qui a pris à bras le corps la question de l'insécurité dans la région du lac. Le projet est à sa phase pilote qui prendra fin en 2019. En politique, le président national de l'Union des démocrates et socialistes UDS, Dibrine Hissène Mursal, a installé officiellement les membres du bureau régional dans le Mayo-Kébiest. C'est un bureau composé de 14 membres, dont 8 femmes. Amangarasta. C'est le vice-président du bureau exécutif régional, le secrétaire général adjoint et quelques militants du parti cadre d'action populaire pour la solidarité et l'unité de la République Cap-Sur du Mandoul qui ont fait défection pour regagner le rang du mouvement patriotique du salut MPS. Pour le vice-président du bureau régional Koumabaï Piro, ce ralliement contribuera à œuvrer ensemble pour le développement de notre pays en général et celui de la région du Mandoul en particulier. Le secrétaire général régional du MPS Gabay Gami demande aux militants du MPS d'accepter les valeureux camarades et de faciliter leur insertion. Le glas de votre errance a sonné et que nous espérions que bon nombre de vos anciens camarades qui se trouvent dans cette situation ne tarderont pas à vous emboîter les pas. Les militants du Cap-Sud qui se sont ralliés au MPS ont remis leurs cartes et quelques matériels de ce parti au secrétaire général régional du MPS. Vous l'avez corrigé de vous-même, le reportage est signé Christelle Ngar-Lemdana et c'est un ralliement des militants d'un parti politique au mouvement patriotique du salut. Nous allons revenir sur le bureau régional de l'UDS dans nos prochaines éditions. Sensibilisation de la population par rapport aux résolutions issues du Forum national inclusif et la 4e République, le secrétaire général régional du MPS de la région du Borkou est à pied d'œuvre. Anastasie Bissi. Pour mieux impliquer les populations des différentes localités de la région du Borkou dans la gestion des choses publiques, une sensibilisation sur les résolutions du Forum national inclusif et la naissance de la 4e République s'impose. Le secrétaire général régional du MPS vient à la rencontre de ses militants et sympathisants. Il s'agit pour lui d'éclairer son auditoire sur les bien fondés des recommandations du Forum pour un changement. Ce changement inclut la promotion de la paix, la culture de l'excellence et l'abandon des pratiques nuisibles. Bâtir un Tchad débarrassé des maux qui minent son éclosion socio-économique est le souhait des autorités selon le secrétaire général régional. Abdallah Djemil demande aux militants du MPS d'apporter leur soutien dans la mise en place de la 4e République. Il salue la réussite du forum inclusif, l'adoption des résolutions par la représentation nationale et sa promulgation par le chef de l'État. Pour lui, ce nouveau départ implique non seulement un travail bien fait, mais aussi et surtout
de l'innovation. Dans le même registre, le gouverneur de la région de la Tandilée, Daoud Kinefour, était dans le département de la Tandilée. Ousmane Idriss Dakoum. Béré, chef-lieu du département de la Tandilée Centre, est la deuxième étape de la visite du gouverneur de la Tandilée en vue de vulgariser et restituer les conclusions de la rencontre du président de la République avec le gouverneur de la zone méridionale. Il s'agit d'informer et de sensibiliser les différentes composantes du département sur les fondements de la 4e République. Aussitôt arrivé, le gouverneur Daoud Kinefour a pris place à la tribune officielle où l'attendaient différentes couches sociales de la localité. À cette occasion, le préfet du département de la Tandilée Centre, Djibril Souleymane Nourène, a présenté la carte postale de sa circonscription administrative. Face à ses administrés, le gouverneur de la Tandilée a dévoilé les conclusions de la rencontre du chef de l'État axée sur la sécurité et le respect de l'autorité de l'État. Cette 4e République, c'est vrai. Une organisation nouvelle qui vous rassure la balisation de tout le terrain face aux malfrats. Après le département de la Tandilée Centre, la mission se rendra à Kélo dans le département de la Tandilée Ouest pour les mêmes objectifs. Quant au gouverneur de la région du Logone oriental, Adomnouki Charfadine, après avoir sillonné la région, il a eu une rencontre avec les leaders du Logone oriental. Il leur demande de vulgariser cette nouvelle constitution. Kalianga Voudna. Maïbokoum, chef-lieu du département des Mondelam, a constitué la première étape de la tournée du gouverneur de la région du Logone oriental, Adomnouki Charfadine. Accompagné de ses proches collaborateurs, le gouverneur est venu livrer à la population de ce département le message du chef de l'État lors de sa rencontre avec les gouverneurs de la zone méridionale à Moundou. Un message axé essentiellement sur la préservation de la paix, l'unité et surtout un changement de comportement à l'heure de la 4e République. La suppression des postes de sous-préfets et des commandants de brigade, la levée de toutes les barrières excepté celle de la frontière. La protection de l'environnement, l'interdiction formelle des véhicules de marque Toyota Pick-up à l'usage militaire. Après Mbaïbokoum, le gouverneur et sa suite se sont rendus à Goré, chef-lieu du département de la Niapendi. Là aussi, il a animé un meeting pour véhiculer à la population le message du chef de l'État et l'a entretenu sur la 4e République. Pour Adomnouki Charfadine, c'est dans l'intention d'améliorer la gouvernance administrative, institutionnelle et pérenniser les acquis de la paix sociale en associant toutes les forces vives de la nation que le chef de l'État Idriss Déby Itno a opté pour la naissance de la 4e République. Le gouverneur de la région du Mayo-Kébi-Est, Moussa Haroun Tirogo, a visité le centre de santé Al-Babtaine pour s'enquérir des conditions de fonctionnement de ce centre. Ngeyam Benguéry. L'État a donné plein pouvoir aux chefs de canton de veiller à leur population tout ce qu'ils font du mal à cette population et arrêter et mettre à la disposition des autorités administratives. Et ce qui a été fait, nous remercions les chefs de canton Magao, les chefs de canton Télémé, les chefs de canton Koumi, leurs différentes actions dans cette opération qui ont permis aussi d'arrêter maintenant ces malfaiteurs. Là pour nous, quelques soucis techniques, vous l'avez compris de vous-même, c'était le message du gouverneur de la région du Mayo-Kébi-Est, Moussa Haroun Tirogo. Au cours d'un point de presse, il a lancé un appel à la population de la région. Il leur demande de rester toujours vigilants. La campagne de sensibilisation dénommée Week-end fiscal se poursuit dans la capitale. La commune du 10e arrondissement a reçu dans ce sens une équipe du cercle de réflexion et d'orientation sur la soutenabilité de l'économie tchadienne. Abdul Kéoul.
Ce sketch présenté par la compagnie théâtrale Hader Dounia invite les contribuables du 10e arrondissement à s'acquitter de leurs taxes et patentes. Le sketch dénonce également le comportement des agents municipaux véreux. En face des commerçants, des chefs d'entreprise et bien d'autres individus, les techniciens de la Direction générale des impôts ont édifié de long à large ces derniers sur l'importance de payer son impôt. Le dit projet de sensibilisation est né d'un constat selon lequel les contribuables refusent d'honorer leur engagement. On mobilise moins de ressources fiscales que d'autres pays qui sont semblables aux nôtres. Donc l'idée ici, c'est de favoriser enfin le dialogue entre les autorités fiscales et le contribuable pour une meilleure compréhension de la question de la fiscalité. Mama Tom Nouere, maire de la commune du 10e arrondissement, salue la tenue du week-end de la fiscalité dans sa commune. Il exhorte les contribuables à payer régulièrement leurs impôts afin de participer au développement du pays. Un atelier de restitution et de validation de l'étude sur les enjeux des technologies et surtout sur leur utilisation au Tchad dans un contexte de convergence téléphonique, Internet et TNT. Les précisions avec Ali Mohamed Bello. Ces documents est le résultat d'une étude sur les enjeux des technologies de la société de l'information et leur usage au Tchad, notamment les hauts débits dans le contexte du marché convergent, téléphonie, Internet et télévision numérique terrestre. Ce rapport traite des enjeux des TIC, établit la cartographie et définit une stratégie qui soit à même de développer les hauts débits encore embryonnaires au Tchad. Le développement du haut débit va permettre à l'économie tchadienne de se positionner sur des chaînes de production sous-régionales via l'amélioration de la productivité du travail. Une étude récente de la Banque mondiale montre que l'introduction du haut débit améliore la productivité du travail de 5% dans le secteur des industries et de 10% dans celui des services. À cet atelier, les participants sont appelés à apprécier, améliorer et valider les documents qui servira d'outils de base sur lesquels les pays devraient s'appuyer pour combler son retard. Puisque les TIC constituent un véritable levier de développement, le Tchad voudrait désormais miser sur ces secteurs afin de mettre les pays sur les rails du développement socio-économique. Sachez également que le président de la République, Idriss Déby Itno, et la première dame, Hinda Déby Itno, ont regagné cet après-midi, ce soir, N'Djamena en provenance de Paris, ceci après avoir effectué une visite privée de quelques jours. Au retour du président de la République de la capitale française, quelques personnalités étaient présentes à l'aéroport international Hassan Djamous pour l'accueillir. Il s'agit du ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, Dr Noureddine Deloa Kassiré Koumakoy, de quelques membres du gouvernement et du cabinet du président de la République, ainsi que madame le maire de la ville de N'Djamena. Après une crise qui a duré 17 ans, le sultan de Madiago, Mahamat Moumine, et la communauté Kotoko du village d'Ovoul font la paix. Les détails sur cette réconciliation avec Dionodi Nestor. C'est parti, tout est pardonné. C'est sur les nouvelles bases que le sultan de Madiago, Sa Majesté Mahamat Moumine, et la communauté Kotoko du village d'Ovoul entend de poser les jalons d'une nouvelle relation conviviale. Table rase sur le malentendu qui a empoisonné leur relation pendant 18 ans. Une opportunité pour les autorités administratives, traditionnelles et religieuses d'inviter la population de la région du Chari Barguirmi à la paix et à l'unité. Population de d'Ovoul, je vous dis merci parce que le président de la République, chef de l'État, cautionne pour la paix et non pour la violence. Nous voulons la paix. Nous voulons le développement de l'Ougoungana. Respectez votre sultan. Un chef traditionnel, ne négligez pas, s'il vous plaît, mes chères populations.
Cette journée de réconciliation sera inscrite en lettres d'or dans les annales de la 4e République, a laissé entendre le secrétaire général du département du Chari, Assid Abdelkirim Barka. Pour le sultan de Madjago, Sa Majesté Mamad Moumim, cette initiative qui a permis d'aboutir à cette réconciliation sera un modèle pour d'autres communautés de la région. L'amicale des élèves de Massaguet a organisé une conférence débat sur quelques sujets d'actualité. Les précisions avec Abdelhadi Mohamed Saleh Babayaro. Face aux élèves venus de différents établissements de la ville de Massaguet, les conférenciers ont largement débattu des mots qui entravent l'épanouissement de l'école tchadienne, entre autres le développement de la ville de Massaguet, l'importance de l'école d'une fille dans la société et la scolarisation. Il s'agit pour les conférenciers de susciter les désirs chez les jeunes afin de les accompagner tout le long de leur cursus scolaire. L'inspecteur départemental de l'éducation nationale de Haraz El-Biar, Djid Daramat, et le préfet des 10 départements, Assadik Mohamed Iga, n'ont pas caché leur satisfaction à l'endroit de leurs élèves. Si on change le comportement, on doit éduquer nos enfants. Si on éduque nos enfants, on doit penser à leur avenir. Si on pense à leur avenir, il faut qu'on les aide d'avancer dès maintenant. Pour une application du bilinguisme, les conférenciers sollicitent l'apport des moyens conséquents, tant matériels, humains et financiers, pour une meilleure éducation. 49 jeunes élèves des établissements scolaires de la capitale et des centres de formation sportive ont suivi une formation sur les valeurs de l'olympisme. Cette formation axée sur l'excellence, le respect et la solidarité a été rendue possible grâce à l'appui technique et financier du comité olympique et sportif tchadien. Katnou Batiofi. Issus des différents centres de formation et des établissements scolaires de la capitale, ces jeunes viennent d'être formés en éducation olympique portant sur les valeurs de l'olympisme, l'excellence, l'amitié et le respect. Des valeurs qui contribuent à l'unité nationale, à la solidarité, au respect de soi et d'autres, des textes qui régissent le pays, mais aussi et surtout à l'amour du prochain et de la patrie. Le président de l'Académie nationale d'olympisme au Tchad, Nganginam Diop, s'est réjoui de l'appui du comité olympique et sportif tchadien, COST, qui a permis de réaliser ce projet qui vise à amener les jeunes tchadiens à vivre en symbiose malgré leurs différences. Dans la même veine, le secrétaire général du COS salue cette initiative de l'ANOT qui vise à unir les filles et fils du Tchad. L'éducation est la deuxième mission du comité olympique et sportif tchadien. Le COS fait de cette politique son cheval de bataille et lui donne une large place dans son programme quadriennal 2017-2021. Cette session de formation sur les valeurs de l'olympisme a été marquée par des démonstrations de danse traditionnelle, des techniques de combat, des arts martiaux et également le jeu de la corde. Le vice-président de la Fédération tchadienne de football, Alec Brahim Foulalauna, et ses avocats ont animé une conférence de presse le week-end dernier dans un hôtel de la capitale. Ils apportent un démenti par rapport aux accusations portées contre Brahim Foula par le président de la Fédération tchadienne de football. Les précisions avec Katnou Batéophile. Cette conférence de presse, animée par le vice-président de la Fédération tchadienne de football association, Brahim Foula Launa, et ses avocats, est une réaction qui fait suite à l'accusation dont il fait l'objet et à sa destitution. Dans son liminaire, El Hadj Brahim Foula a opposé un démenti formel aux propos du président de la dite fédération. Les faits qui me sont reprochés actuellement remontent en 2016. Sur les 60 millions que j'ai décaissés, Renaissance, elle a pris 58 millions, alors qu'on doit donner 30 à Ascoton Tchad, 30 à Renaissance. Et les 30 millions, ce n'est pas de l'argent qu'on leur donne, mais c'est les billets qu'on met à leur disposition pour leur permettre de voyager. S'il y a détournement, l'agence de voyage à qui le chèque est adressé doit dire que non, je n'ai pas été payé, et elle porte plainte contre la fédération, elle vient chercher son argent peut-être. Parlant de détournement, le document le 13 compromettant venant de la FIFA, on me dit qu'on a viré aussi le 16 novembre 2017 à 187 000 dollars pour la Fédération tchadienne de football.
le 4 décembre 2017 à 14h45, à 14h35, 85 500 dollars. Même pour l'équipe nationale qui n'existe pas là, on vous a donné 520 000 dollars pour le SAO. Même Renaissance, il n'a pas pu gérer. Un grand club qui regorge tous les cadres. Répondant aux questions des hommes des médias relatives à sa suspension du bureau exécutif de la Fédération tchadienne de football association, le vice-président et ses avocats tranchent. Cette décision, tenez-vous bien, on ne va pas la mettre dans nos archives parce qu'elle est prise au mépris total des règles qui gouvernent la sanction au sein de la fédération. El Hadj Ibrahim Foula estime qu'après une décennie, l'équipe actuelle du bureau exécutif de la Fédération tchadienne de football association, qui n'a pas de leadership et de vision, doit rendre le tablier afin de trouver les voies et moyens pour relancer le football tchadien. Parlons du football toujours, mais cette fois-ci loin des polémiques et des querelles. Un terrain de football vient d'être inauguré dans le 3e arrondissement de la capitale. Innocent Kilayo. Stade Jafet Ndoram, c'est le nom de baptême de ce mini-terrain de football en gazon synthétique, un nom qui n'est pas donné au hasard en entendre le directeur général du complexe scolaire Académie Royale. L'immortaliser à travers cet ouvrage est un hommage mérité à sa mémoire, à sa riche carrière, ainsi qu'à son rôle d'ambassadeur en matière de football au Tchad. Ce choix est un engagement à l'excellence, à la détermination, mais surtout un appel à l'endurance au travail. Encourager les jeunes sportifs à devenir l'Ndoram de demain, ce sont les vœux du maire du 3e arrondissement, Sami Michaud Michel, et du président de la Fédération tchadienne de football association, Mahmoud Mokhtar. Ces deux personnalités ont fait le déplacement de l'Académie Royale. Un match d'exhibition opposant les anciens et les élèves a été joué juste après l'inauguration. Match qui a été remporté par les anciens sur un score de 4-3. Je vous invite à suivre à présent la cérémonie commémorant les 50 ans de règne du chef de canton Magnaï, Abakar Hassan. C'est depuis 1968 qu'il dirige ce canton situé dans la sous-préfecture de Moïto. Varelaj. Autorités traditionnelles des localités environnantes, amis, parents et frères sont venus en nombre pour célébrer les 50 années de règne du sultan du canton Mayagne, une localité située dans le département de Dababa, dans le Hadjalamis. Abakar Hassan, c'est son nom. Il a été intronisé à l'âge de 15 ans à la tête du canton Mayagne, c'était en 1968. Pour lui rendre les honneurs, les petits plats ont été mis dans les grands et le folklore a été au rendez-vous. Les différents intervenants qui se sont succédés se réjouissent de la volonté du chef de l'État Idrissa Déby Itno pour le renforcement de l'autorité des chefs traditionnels dans la nouvelle loi constitutionnelle donnant naissance à la 4e République. L'université Roi Faisal, en partenariat avec l'ambassade d'Arabie Saoudite au Tchad, a organisé une compétition de lecture du Coran. Une compétition qui a regroupé une vingtaine de candidats venant des différentes écoles coraniques du Tchad. Mohamed Omar Morsal. C'est par cette lecture du Saint-Coran par le candidat Al-Khali Hissène Moussa que la compétition de la lecture Saint-Coran a commencé. Cette compétition regroupe 24 candidats venant de différentes écoles coraniques. Ces candidats ont 3 jours pour se distinguer face à un jury composé de 4 membres. Pour le doyen chargé des affaires étudiantines de l'université Roi Faisal, Ahmad Abdul Fatih Ousmane, ce concours n'a été possible que grâce à l'appui multiforme de l'ambassade de l'Arabie Saoudite au Tchad. Selon lui, ce geste renforce davantage le lien de coopération qui existe entre le Tchad et l'Arabie Saoudite. Et il le souhaite bonne chance à tous les candidats. La salle de conférence du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad a servi de cadre à la cérémonie de remise des Corans en braille.
C'est un don de l'organisation koweïtienne pour la science coranique. L'ambassadeur du Tchad au Koweït et le président du Conseil supérieur des affaires islamiques étaient présents à la cérémonie. Moussa Mboudou Abdoulaye. Désormais, ces 13 lauréats ont inscrit leur nom parmi les mémorisateurs du Saint-Coran. Cette cérémonie intervient après 4 années de formation au Centre coranique Al-Ghoni Arabi. Au nom du comité d'organisation, Daoud Arabi remercie les enseignants pour leurs encadrements. Intronisant officiellement ces mémorisateurs, le premier vice-président et secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Abdaddaïm Abdallah Ousmane, apprécie la qualité et l'abnégation des apprenants durant leur formation. Il les encourage à poursuivre d'autres études en sciences religieuses. Cheikh Abdaddaïm Abdallah Ousmane a saisi l'occasion pour inviter les fidèles musulmans à cultiver la paix, la tolérance, l'amour du prochain et la cohabitation pacifique, seul gage du développement harmonieux du pays. Une cérémonie de remise d'attestation de fin de formation en mémorisation du Coran s'est déroulée à la cité coranique de Karal, une formation rendue possible grâce à la coopération avec les Émirats arabes unis. Varelaj. C'est à la mosquée de Karal que se déroule la cérémonie de remise des attestations de fin de formation des 114 mémorisateurs du Saint-Coran. Ils se sont familiarisés avec les thèmes variés axés sur la préservation des valeurs religieuses. Le directeur de la cité coranique de Karal, Ousmane Abdallah Bichir, a au nom de toute la population de cette localité salué les actions de bonne volonté que mène le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Il cite en exemple la promotion et le respect des principes de la religion musulmane. Abordant dans le même siège le deuxième vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Ahmad Anour Mahmad Adhilou, a invité les bénéficiaires à mettre en œuvre les connaissances reçues. Car, dit-il, le Tchad, avec la nouvelle loi constitutionnelle, ouvre une nouvelle page pour son développement sur tous les plans. Le Tchad et les Émirats arabes unis sont deux États qui raffermissent leur coopération sur divers secteurs, dont le secteur religieux, a mentionné le chargé des affaires de l'ambassade des Émirats arabes unis au Tchad, Amir Abdallah Al-Iminahi. Pour lui, ces atouts sont à mettre à l'actif du leadership affiché des deux chefs d'État. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Téléchat.